My Excellency, Chairperson of ALMA, Your Excellency, the Secretary General of the United Nations, in your absentia, Your Excellency, Chairperson of the AU Commission, Your Excellency, Chairperson of the AU, Your Excellencies, Heads of State and Government, Executive Secretary of ALMA, ladies and gentlemen, I take this opportunity to commend the African Leaders Malaria Alliance, ALMA, for arranging this lunch meeting and for continuing to regularly inform us as heads of state and government about the malaria situation in the African continent. Similarly, I wish to thank ALMA for selecting my country, Namibia, for this year's ALM Impact and Implementation Award for excellence. Chairperson, Namibia's northern regions remain at a higher risk from malaria. We are, however, encouraged by a number of important malaria initiatives that have been implemented over the past decade and that are now starting to bear fruits. These include: 1, better prevention through distribution of long-lasting insecticide-treated bed nets and uninterrupted spraying of houses with DDT insecticide. 2, better and earlier diagnosis and treatment of malaria-infected, and 3, improved surveillance and active outbreak response. Mr. Chairman, as a result of all this, Namibia's malaria incidence and the number of deaths due to malaria have drastically declined over the past 10 years. I am also grateful that during 2010, Namibia was nominated by the SADC as one of the first group of 8 countries to undertake active efforts to eliminate malaria from our countries, called Elimination 8. Of course, the new elimination agenda will require a much higher level effort and more resources. Also, this calls for active cross-border collaborations. Yes, I agree with the President Zuma that, in fact, mosquitoes
do not respect the borders. You put up immigration posts there, they just pass through without being noticed. In this effort, we received encouraging support from SADC Secretariat, Roll Back Malaria and WHO, UNICEF, the African Union and development partners such as the Global Health Group and the Clinton Health Access Initiative. We are convinced that with these concerted efforts between our sister countries, namely Angola, Botswana, Mozambique, South Africa, Swaziland, Zambia, and Zimbabwe, we can indeed make a strong progress to roll back malaria from Southern Africa. I am therefore expecting to see more of my esteemed colleagues from SADC also receiving this important award that has been given to Namibia today during the coming years. Finally, I want to take this opportunity to confirm Namibia's strong commitment to host the Elimination Aid Secretariat in our capital city of Windhoek, and also to chair the SADC Elimination 80 Countries Initiatives over the next 2 years. I thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, my President. Dear colleagues, mes chers amis, je crois que je sais que chacun a ses engagements. Je voudrais, oh, my sister, I'd like to, you have the floor, please. Monsieur le Président, Senhor Presidente, Senhora Secretária Executiva para a ALMA, senhores chefes de Estado, chefes de delegação, distintos parceiros, minhas senhoras e meus senhores, é para mim prazer e honra receber em nome do Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Dr. Manuel Pinto da Costa, e em nome da população de São Tomé e Príncipe, este distintivo. Este distintivo só é possível graças à maturidade da nossa população, porque sem a população toda ela inteira para aplicar as políticas, não seria possível termos este reconhecimento. Só passo para o nível de... Bom, je vais essayer de le faire en français. Moi, je disais que c'était pour moi un plaisir et un honneur de recevoir ces prix, que les prix est possible grâce à la maturité de notre population, parce que sans l'applicabilité de politique, ce ne serait pas possible d'avoir un distinctif. São Tomé et Príncipe a élu la lutte contre le paludisme comme une priorité de son développement. Elle a élu en élan cette politique. Nous avons vu les résultats. Et ces résultats sont aujourd'hui connus grâce à le distinctif qu'on vient de recevoir. Dans son plan stratégique contre le paludisme, dans un horizon temporel de 2001-2010, on a réduit les cas de paludisme à 90%. Je dois vous dire qu'au niveau de... nous sommes des îles, l'île de São Tomé et l'île de Príncipe. À l'île de Príncipe, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas un décès à cause du paludisme.
et on est élu à la phase de la préélimination du paludisme. Bon, c'est vrai qu'on a eu de bons résultats, ça ne veut pas dire qu'on va croiser les bras. Donc, on doit vous dire, affirmer que la lutte contre le paludisme à São Tomé et Príncipe, ça va continuer d'être une réalité jusqu'à sa élimination. On est des îles et c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Joisiland. Thank you, Mr. President. All protocol observed. Mr. Chairman, I'm deeply honored and humbled to receive on behalf of His Majesty the King and the entire Swazi Nation, the African Leaders Malaria Alliance Impact and Implementation Award for Excellence. I also want to state that His Majesty would have been delighted to receive this honor personally, but due to other national commitments, he was prevented from traveling. There are just two things that I'd like to point out that I know His Majesty would have liked to observe. First, that this award is a display of the strong tripartite political will of the sub-region to improve the lives of its people and eradicate malaria. That is what has led this, because as President Zuma said, there is an initiative, the Lubombo Special Initiative in the region, which was launched by both the President of South Africa, Mozambique, and the King of Swaziland. So the first thing is political will. The second issue that I know he would have mentioned was the fact that in country, health was prioritized as the sector that needs the most attention, and malaria eradication was the focus, specific focus on malaria eradication. And so that would be the second. The third issue that we would like to say is that government realized that we could not win the war. And so we decided to include or involve the private sector, faith-based organizations, NGOs, and the intergovernmental organizations. And we are very grateful to all those who have helped with this initiative of eradicating malaria. And we hope we're going to sustain it, because it has become a national issue rather than just an issue for a government. Even the grassroots in the villages, they know what to do and how to do it. And therefore, I just want to end by saying that the other important thing was accessibility of malaria treatment in all health institutions and in the private sector. You can access, and we talk about it every day. So we just want to thank you and thank Alma a lot for being there and everybody else. Thank you, and may God bless you. Thank you. God bless you too, please, Prime Minister. Floor, I would like to give the floor to Cape Verde. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Je serai très bref, vu l'heure. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les chefs de délégation et des institutions présentes, Mesdames et Messieurs, c'était pour moi un privilège et un honneur de recevoir de la main de Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies et de Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, et en votre auguste présence, ce prix d'excellence que distingue mon pays, le Cap-Vert, et 13 autres États africains pour leur engagement politique sur les résultats et également dans la lutte contre la malaria. Je voudrais, au nom du gouvernement du Cap-Vert, vous remercier sincèrement pour ce prix. Et puisque beaucoup a été dit autour de cette table sur ce fléau, je voudrais surtout partager avec vous
le sentiment que ce prix a, en tout cas pour le Cap-Vert, un double visage. Celui, plus humble de notre côté, de reconnaître l'effort consenti dans cette gigantesque task. Mais celui aussi de nous maintenir dans le cap de l'excellence dans ce domaine précis de la vie. Et surtout, dans ce domaine que nous entreprenons pour construire le bonheur de nos peuples. Ainsi, également, nous faisons certainement de ce prix un encouragement pour la poursuite d'une gouvernance responsable dans chacun de nos États. Et un encouragement que je vous souhaite maintenant, que je vous demande maintenant d'accorder la plus grande attention dans la poursuite de cet appui international et africain dans la lutte contre le malaria. Je vous remercie donc pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cap-Vert. Ben, je crois, mes chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier pour vos excellentes contributions. En juillet 2012, comme vous savez bien, le Forum de Alma a lancé un appel à toutes les parties prenantes pour qu'elles intensifient leurs efforts pour inverser la tendance négative observée. Lors du Forum de janvier 2013, souvenez-vous, nous décrivons clairement, lors de ce Forum, donc au cours de nos discussions, nous avons décrit clairement les actions nécessaires et je crois à travers les interventions, nous invitons nos partenaires traditionnels ainsi que de nouveaux acteurs à se joindre à nous et à notre peuple. Avec la montée en puissance des économies africaines, au cours de la dernière décennie, nous devons adopter des stratégies de financement innovantes. Je crois qu'on a mis l'accent là-dessus et nous encourager à générer de nouveaux revenus en faveur de l'augmentation des contributions nationales pour lutter contre le paludisme, en particulier dans la santé publique en général. Nous, membres de ALMA, exhortons les pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc., et les partenaires traditionnels à se joindre à nous pour exploiter pleinement cette potentielle riche source de financement du développement. Pour faire face à la situation d'urgence à laquelle nous sommes confrontés, mes chers collègues, nous, membres de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, sommes prêts à examiner avec les partenaires au développement immédiat des mécanismes de financement d'urgence qui peuvent combler le déficit de financement, y compris le Fonds mondial, l'Association internationale de développement IDA de la Banque mondiale. Monsieur le Président, on a déjà noté votre engagement. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Banque africaine de développement et autres donateurs, nous demandons au ministre des Finances du Mozambique de convoquer une réunion extraordinaire des ministres des Finances des pays confrontés aux problèmes de manque de financement et de résurgence en marge de la réunion de printemps d'avril 2013 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, pour combler les lacunes de financement urgent avec les partenaires au développement, bailleurs de fonds, indiqués ci-dessus. Nous demandons instamment à tous les partenaires qui ont soutenu le financement des moustiquaires imprégnés, d'insecticides longue durée, MILD, au cours des 5 dernières années dans les États membres de l'ALMA, afin de soutenir leur emplacement. En 2010 et 2011, ALMA, en collaboration avec 8 États membres, et le groupe de la Banque mondiale a piloté avec succès un mécanisme d'achat en vrac et rapide de moustiquaires à bon prix de haute et de haute.